L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut modéliser la porte et la fenêtre du garage. Je vais mettre un point à 2 mètres de entrée. Il est ici. Je prends un rectangle. Je dessine donc ma porte de garage, je vais dire qu'elle fait 10 mètres. Point virgule, et on va lui mettre 3,50 m de haut. Et ensuite, avec pousser tiré, je vais pousser la porte de 20 cm, donc de 0,2. Et ensuite, on peut dessiner les traits qui figureront la porte du garage. Alors si vous voulez faire quelque chose de régulier, vous pouvez par exemple, donc là 10 mètres, 10,5, 0,5, le point milieu pour terminer. On peut ensuite s'attaquer à la fenêtre au-dessus de la porte. Alors pour faire ça, je vais me mettre ici un trait qui va me servir à m'appuyer dessus. On va mettre 1 mètre par 0,70. On va faire 1,40 m par 0,1. Là, on va faire 2 mètres par 0,1. Même chose en haut. On va faire 1,40 m par 0,05. Et même chose de l'autre côté. Deux mètres par 0,05. Et le dernier tasseau. 2 mètres par 0,05. Alors il reste à faire un peu de ménage dans tous les traits qui servent à rien. Et un petit coup de pousser tiré. Pareil, 0,1. Et voilà.